Oh non les gars, mauvaise nouvelle, moi et Kefko, on est enfermés dans une prison. Effectivement, on est des mauvais garçons, mais bon, c'est pas grave. Moi, je te dis, Kefko, on va réussir à s'en sortir, parce qu'à chaque fois qu'on est enfermé, on arrive à s'en sortir. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis vraiment pas confiant, ça a l'air de craindre ici. Bon, Kefko, t'as pas une idée pour s'en sortir d'ici, frérot? Allez, moi, je me couche, hein. Mais frérot, tu nous aides pas du tout, là. Il faut vraiment qu'on se dépêche de s'échapper. À mon avis, ce tableau, il a pas l'air net. Et voilà! Mec, c'est pas du tout un tableau, c'est carrément un miroir. Mais bien joué, regardez les gars, il y a carrément une crevasse juste ici qui va nous permettre de s'en sortir. Ça, ça fait plaisir. Ça va, Kefko, ou pas aujourd'hui? Ah, franchement, ça va super bien. Et toi, à part qu'on est enfermé dans une prison qui fait quand même un petit peu flipper. Oh non, frérot, on s'est renfermé dans une autre cellule. Bah, j'avoue, si on se serait déjà échappé de la prison, ça aurait été clairement le escape game le plus simple qu'on a jamais fait. Attends, les escape games, on sait, c'est pas si simple que ça, frérot. J'ai trouvé, c'est juste ici dans le coin. Juste ici. Oh, mais t'es beaucoup trop fort. On est déjà dans la grotte de la prison. Oh, hey, attends, mais comment ça, on est mort? Attends, ils ont carrément mis des pièges dans cette prison. Ah okay, ouais, faut sauter par-dessus les tuyaux. Faut faire attention, c'est carrément des tuyaux chimiques. Attention, on a besoin de la pierre et une clé pour pouvoir ouvrir la porte. Oh non, mais comment on va faire? J'avoue que ça a l'air pas mal chaud, mais mec, si déjà là, il y a des tuyaux empoisonnés, moi j'ai très très peur d'affronter les gardes de la prison. Ok, ici c'est bon, j'ai trouvé de la pierre, Kefko. J'en ai récupéré suffisamment. Maintenant, il faut qu'on trouve la clé, mec. Bah, je t'avoue que la grotte est quand même pas mal grande. J'en ai aucune idée. Tu as trouvé? Bah ouais, oh frérot, je suis trop fort en escape game. Allez, c'est parti. J'espère et en tout cas qu'on va réussir à s'échapper, parce que moi je déteste être un prisonnier hein. Mais c'est sûr qu'on va réussir à s'échapper. En tout cas je l'espère. Ok, on est dans une nouvelle cellule, c'est pas possible. J'en fais ça combien? Là il nous faut une pomme, il nous faut une pièce d'or. Où est-ce qu'on va trouver une pièce d'or, frérot? Alors là il y a des petites pommes et j'arrive pas à les récupérer. T'as trouvé quelque chose, toi? Regarde le texte, il est écrit quoi là? Ah ouais, l'or, on doit retourner dans la grotte. Oh, oh regarde ce qu'il y a là. Ouais, j'ai un trésor. Ah ouais, dinguerie, j'avais pas vu ça. Vas-y, on va directement récupérer l'or. Comme ça on passe au niveau suivant, Kefko. En tout cas ça commence très très bien cette vidéo. T'en penses quoi là? Bah ouais, là on a clairement un trésor avec des pièces en or. Il faut juste maintenant qu'on arrive à sortir avec tout le butin. Alors là il nous faut encore une clé. Mais c'est abusé le nombre de clés qu'on doit trouver, frérot. Où est-ce qu'on va trouver ça? Je crois qu'elle est juste là derrière les barreaux, mais j'arrive pas à la choper. Ah ouais, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, récupère-la, Kefko. Bien joué, ça c'est beau ça. Et on avance super rapidement aujourd'hui. Regarde en haut. Ah ouais, tu l'as trouvé même avant moi. Attends, mais c'est une dinguerie. Attends, mais mec, on va finir la map d'ici 5 minutes en fait, là, si ça continue comme ça. J'avoue qu'il y a moyen que ça aille super vite. Mais tu sais quoi, c'est très bien parce que je me sens vraiment pas bien à l'intérieur de cette prison. Surtout quand il y aura des gardes. Ok, il nous faut une carte d'accès. Regarde, viens voir ce que j'ai trouvé. Oh là là. Eh mais ça se passe trop bien aujourd'hui, je trouve ça même un peu bizarre. Hein. Regarde, il y a une carte d'accès juste là. Ok, c'est la carte que tu voulais. Oh, magnifique. Eh mais attends, mais on est beaucoup trop fort. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Kefko, mais je trouve qu'on est carrément le meilleur duo pour s'en sortir. Hein. Et c'est vrai qu'on arrive à s'échapper à chaque fois. J'espère juste qu'aujourd'hui on va y arriver, parce que là on est clairement enfermé dans le pire endroit. Là c'est pas une école, c'est une prison, Jean-Fils. Ah ouais, j'avoue c'est horrible les gars. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour savoir si on va réussir oui ou non à s'échapper d'ici. Ok, regarde ici, Kefko. Mais attends, mais c'est une dinguerie. On est beaucoup trop fort. Ok, vas-y, moi je te suis. Franchement, je te fais confiance, Jean-Fils, même si on est dans les conduits d'aération de la prison. Pas très sécurisé. Ok, niveau suivant, ça c'est fait, mais on est toujours dans des cellules, c'est ça le problème. Comment ça on peut pas voir le soleil, frérot? Moi j'en ai marre là. J'avoue, j'espère qu'on va bientôt pouvoir sortir. Regarde, je pense qu'on peut directement monter par ici. Ah ouais, fais-moi la courte échelle. Attends, tu veux que je te fasse ta courte échelle? Non, vas-y, laisse tomber. Comment ça? Peut-être ce carton. Hop là. Ah ouais, t'as réussi. Oh, faut aller sur le gros carton, ouais. Ah ouais, bien joué. Oh, n'avance pas, n'avance pas. Regarde ça, c'est des lasers, je pense qu'ils nous tuent instantanément. Ah bah je teste. Ah ouais, il m'a tué. Oh non, j'ai trop le seum. Comment c'est possible? Les gars, si vous kiffez les vidéos avec Kefko, je compte sur vous pour bombarder cette vidéo de pouces bleus. À 10 000 pouces bleus, je refais un deuxième épisode avec Kefko. Montrez-moi que vous voulez. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Gros big up à vous. Je sais pas comment on va pouvoir traverser ces portes. Hein. Toi, t'es mort. Moi, ils t'ont laissé aucune chance. Oh, attends, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé des Chug Splash. Attends, quoi? Oh, on a plus de vie. Tu viens de traverser là? Oh, ça marche. Aïe. Ça fait mal quand même. Ah, mais c'est une dinguerie comment ça marche directement. T'as vu? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, frérot. On arrive à s'échapper. On arrive à s'échapper, mais on est toujours dans une cellule là pour l'instant. Moi, je suis dans la prochaine cellule directement. Ok, là, il me faut une clé. Attends, c'est pas une course, tu m'attends. T'inquiète, frérot, je t'attends, je t'attends. Alors, la clé, elle est directement juste là. Mais dis donc, j'ai l'œil d'un faucon en fait là. J'avoue que t'es très très fort. La clé, ouais, tu l'as prise. D'ailleurs, pourquoi tu penses qu'ils nous ont envoyé en prison, Jean-Fils?
Honnêtement, je sais pas, c'est sûrement parce qu'on a été de mauvais garçons. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète, c'est la savonnette sur l'évier juste là, Kefko. Ouais, j'avoue que c'est un peu bizarre. Moi, je me demande quand même, qu'est-ce que tu as fait comme prix, comme crime pour arriver ici? T'as dû faire vraiment des dingueries. Non, t'inquiète, j'ai rien fait. J'ai peut-être volé des V-Bucks, mais le dis pas, hein. Ah ouais, j'avoue que ça doit sûrement être ça. Maintenant, on sait d'où il vient tous les skins à Jean-Fils dans son casier. Oh, j'arrive pas à trouver la petite carte de l'autorité, là. Ah, j'avoue que moi aussi, je galère, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir fouillé toute la cellule, mec. Attends, ici, on peut s'asseoir sur le siège, et voilà, je l'ai débloqué. Ah, tu l'as débloqué en t'asseyant dessus. Oh, attends, mais c'est une dinguerie, ça. Vas-y, on passe à la cellule suivante, frérot. On avance petit à petit, il nous faut une brique de lait. Ouais, par contre, déjà, pourquoi il y a des bouteilles d'alcool au-dessus de la porte, et encore ce drapeau, il fait un petit peu peur, hein. Ah, c'est carrément la cellule d'un alcoolique, les gars, c'est vraiment pas cool, ça, hein. J'avoue qu'on doit trouver quoi? Bon, du lait. Oh, ça va, du lait, au moins c'est pas une bouteille d'alcool. Tu as trouvé? Ouais, j'ai trouvé la bouteille de lait. Elle est juste ici, Kefko. Let's go! Allez, on accélère, on accélère. Je pense que là, on est quasiment sorti. Oh non, frérot. Bon, mec, vraiment, j'ai cru qu'on allait sortir d'une cellule. On est toujours là, dans une autre cellule. Et celle-là, on dirait que c'est les cellules des catacombes, frérot. Elles sont plus moches, j'ai l'impression. Ouais, mais t'as vu, on a pu ouvrir la porte. On est enfin dehors de la cellule, là. Ouais, à mon avis, c'est l'ancien segment de la prison qui n'est plus utilisé. C'est vrai qu'il n'y a pas de prisonniers ici. C'est bizarre. J'avoue que pour l'instant, on a rencontré personne, mais je suis quasiment sûr qu'on va devoir affronter les gardes au bout d'un moment. Ok, d'accord. Là, il nous faut une clé. J'avoue qu'à un moment donné, va falloir qu'on s'arme avec des armes très puissantes pour pouvoir abattre les gardes de sécurité. C'est bon, j'ai trouvé la clé, Kefko, viens. Ok, vas-y, magnifique. C'est vrai que pour l'instant, à part une pioche, on fait vraiment pas grand-chose. Oh. Donc là, j'espère juste qu'il y a aucun garde. J'ai trouvé quelque chose directement en dessous de l'escalier. J'ai bien fait de regarder, les gars. Ça oui. Fait plaisir. Un harpon, il va me servir à quoi? Oh, tirer sur la cible. Oh là là là. C'est trop chaud. Eh gros, je te l'ai dit, toi et moi, on est les meilleurs en escape game. Personne peut nous tester, en fait. J'avoue, par contre, regarde là comment ils ont pu nous tester. Ils ont totalement bouché la prison. Oh non. On peut passer ou pas? Si seulement j'étais plus maigre. Aïe, aïe, aïe. Peut-être en glissant. Attends, je vais tester. Ah. Ici, un panneau de danse. Oh. Oh, j'ai chopé le pistolet transformateur. Ah, on a ouais. Une petite pomme juste ici. Et on continue. Ah, bien joué, Kefko. Ça, c'est grâce à toi. Ok, il y a l'horloge de Tilted Tower. En général, on peut passer à travers, mais pas du tout. Attends, quoi? J'ai pas l'impression. Je pense que c'est pas non plus une prison basique. Ah, sûrement, il y aura des petits secrets. Ah, peut-être c'est des ordinateurs ici. Mais ça fait quelque chose si tu tapes dessus? J'ai trouvé un truc. Ça fait rien. Il y a un bouton ici. Quoi? What? Mais attends, mais c'est quoi ça? Le bouton, il est trop bien caché. What? Ouh, mais c'est quoi cette dinguerie, Kefko? Oh, ça s'est refermé, t'as failli t'écraser, ça a failli faire une poule mouillée. Eh là, t'inquiète, c'est moi, je suis encore vivant. Mais ouais, par contre, ça a ouvert le sol, c'était vraiment stylé. On est encore bloqué là. Oh, là, par contre, je sais pas quel prisonnier ils ont mis ici. Il y a un mur ici, un mur bizarre. Là, what? Attends, mais quoi? Je me sens vraiment mal à l'aise dans cette cellule-ci, hein, frérot. C'est une dinguerie, hein. Je sais pas toi, mais... J'avoue qu'elle est vraiment spéciale. Faut pas être claustrophobe ici, hein. Sinon, là, t'as clairement peur. Ok, il nous faut de l'or et une pile, frérot. Vas-y, bonne chance pour trouver ça. Je suis en train de chercher, déjà. Dès qu'on arrive dans une pièce, j'essaie de me dépêcher, parce qu'à mon avis, il faut qu'on aille très, très vite. Sinon, oh! Il manque qu'on aille des ennuis. J'ai trouvé l'or, si jamais. Bien joué, je te laisse récupérer l'or. Moi, je vais essayer de trouver... Après ce foutu pile, frérot, où est-ce que je peux bien trouver la pile? Ah, là, c'est bon, j'ai trouvé la pile, Kefko, let's go! Ok, vas-y, parfait, on va pouvoir passer au prochain... Non! Fermez la porte dessus. Ah, désolé, j'ai fermé la porte. Oh non, ça, c'est horrible. Ok, c'est bon, je suis là, Jean-Fils. Oh là là, encore plus de prison, c'est pas possible. Non, mais... What? T'as vu ce que je vois ou pas, mec? Mais c'est quoi cette prison? Elle est beaucoup trop bien. Et regarde ce qu'il y a au-dessus, une porte. Ah ouais, pas mal. Vas-y, attends, j'étais angoissé dans cette cellule, mais frérot, il y a carrément une cellule gaming avec plein de PC gaming avec des RTX 490. Oh, c'est incroyable. Ouais, mais là, je pense que c'est un piège. Ils essayent de nous retenir dans la prison, mais on doit clairement s'échapper. Je te rappelle qu'on a volé un coffre au trésor. Ok, attends, je pense que j'ai capté le bail, frérot. Il suffit juste de se mettre comme ça, ah, sauter. Ouais. Oh non, attends, j'y étais presque, j'y étais presque. Là, je réussis. Oh, non. Ah, t'es ouvert, t'es ouvert. Ok, c'est déjà bien. Ah mais arrête, tu me pousses, hein, Kefko, tu fais quoi là? Allez. Non, c'est moi, j'ai réussi. Ah, il a réussi. Vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Hop, hop. Hop là. Je t'ai bloqué la porte. Ça se fait pas. Allez, tu vas faire quoi alors? Allez, non mais, allez, laisse-moi passer. Laisse-moi passer, Jean-Fils. C'est qui qui fait chier? Toi et moi, c'est qui? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Eh ouais, c'est moi. Allez, hop là. Je laisse passer, frérot. Ouais. Eh, c'est le pire coéquipier là pour s'évader de la prison. Tu veux jouer comme ça, tu vas voir. Ah, je rigolais, je rigolais. Nous voici dans la cantine. Franchement, je me sens vraiment pas très bien ici. Moi, je vais plutôt reculer, frère. Oh,
Gros, j'ai trouvé. Quoi? Non, ça c'est fourbe. Ça c'est très fourbe. Ça c'est très très fourbe, hein, ça, mec. T'as vu ça ou pas? Je serais resté bloqué tellement de temps. Mec, oh, t'es en train de hacker le serveur là. Je peux hack un serveur là, viens voir. Vite. Vas-y, go. Oh là là, la prison est interminable. Oh là là, mais j'avoue, mais est-ce que tu penses qu'on va réussir à s'en sortir? Parce que là, il y a tellement de cellules, frérot, ça me fait péter un câble, hein. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas, on va dire, de garde, donc ça va plutôt bien. Attends, c'est quoi que tu viens de récupérer là? Une grenade? Vas-y, lance la grenade sur la cible, mec. Une grenade. Ok, là, okay, ça ouvre ici. Oh, par contre, il y a des statues en or massif de bananes, elles sont incroyables. Vas-y, ben moi. Oh, moi aussi, j'ai des statues. Oh, celle-ci, elle donne de la pierre. Vas-y, ouais, il nous faut 20 de briques. Et une carte d'accès à l'état-major. Oh, là, je crois qu'on commence clairement à monter dans les grades de la prison. Hein. Vas-y, déjà, j'ai récupéré les 20 de briques et la carte d'accès, elle est juste ici, frérot. Purée, mais je suis trop fort, frère. Ah ouais, allez, ouvre la porte. Laisse-moi passer. Oh, t'as essayé de me coincer, là. Non, pas du tout. Du tout. Oh, attends. Il y a un mur bizarre, là, ouais. Ça je me suis dit la même chose, il y a un truc louche. Avec mes yeux de faucon, moi, je vois tout. T'as pas quelque chose à lancer sur la cible, là? J'ai absolument rien. Je pense qu'on va rapidement trouver une petite grenade ou quelque chose. J'ai trouvé un truc ici. Là, il y a un bouton derrière l'ordinateur. Oh là, c'est une dinguerie, frère. Ça m'a téléporté carrément à gauche. À gauche, à droite, au-dessus, en bas, derrière toi. Ah ouais. Voilà. C'était ultra bien caché. Mais comment t'as trouvé ça, même? Mais mec, je suis trop fort, mec. Je suis le meilleur en escape game. Et tire sur la cible. Voilà, ça, c'est magnifique. Go. Ok, on est toujours dans des cellules de prison. Je commence vraiment à en avoir marre. J'espère que c'est la dernière. Ah, j'espère aussi, Kevko. Mais à chaque fois qu'on dit ça, c'est jamais la dernière, mec. Hein. J'avoue que pour l'instant, c'est pas ouf. Il y a un truc là derrière. Oh là là là. Attends, mais quoi? Comment t'as fait pour voir ça, gros? Avec mes gros biceps de pigeon, j'ai déplacé l'armoire entière, mon gars. Ok, pas mal, bien joué à toi. Frère, moi j'ai l'impression que t'es plus fort que moi pour t'échapper là. Mais attendez, mais c'est parce qu'il est plus jeune que moi, c'est pour ça. Mais en vrai, y'a pas de plus fort, on s'échappe ensemble. Regarde ce qu'il y a juste ici, un petit trou, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Comment trouver le pistolet? Ah, je devrais plutôt aller à la salle plutôt que de manger des hamburgers tous les jours, frérot. J'arrive pas à passer. T'as vu, il faut contrôler le pistolet, t'en as pas vu un par hasard là pendant que tu fouillais un petit peu à droite à gauche? Ah, mais gros, je cherche, je ne trouve pas. Oh, y'a un canard, ouais, bien vu le canard. Mais par contre, pour avoir un pistolet transforme accessoire, passer. Alors là, je te mens pas, je n'arrive. Oh, c'est bon, j'ai trouvé, juste là, gros. Oh là là, dinguerie, frère, je suis J'espère vraiment que là, on va enfin pouvoir voir le dehors de cette prison. Ah, mais non, mais regarde. Je suis encore un canard, moi. À chaque fois qu'on avance, on va dans les profondeurs de la prison, frérot. J'ai l'impression qu'on va jamais voir le seuil. Si ça se trouve, on va dans le mauvais sens. Non, dis pas ça, en vrai. Dis pas ça, là, t'envoies des ondes négatives, Jean-Fils. On va y arriver à s'échapper de cette prison. Ok, je te crois, alors, hein. Vas-y, là, qu'est-ce qu'il faut chercher, là? Je sais pas, regarde un petit peu dans les autres prisons. Chez moi, y'a rien pour l'instant. Il faut de la poudre à canon et 20 pièces en or. Mais j'en ai marre, frérot. Où est-ce qu'on va trouver ces pièces en or? Ok, moi, c'est bon, j'ai trouvé les pièces en or. Ok, bien joué. Il manque plus que la poudre à canon. Où est-ce que je vais trouver ça? Vous avouez, j'ai un petit peu le seum. Je pensais avoir trouvé un passage secret pour prendre de l'avance sur Jean-Fils, mais finalement non. Comment ça prendre de l'avance sur moi? T'es malade, mec. Oh, c'est bon, j'ai trouvé la poudre à canon. C'est parti. Hop là, c'est parti. Cellule suivante. Alors, comment on va faire pour sortir de cette cellule, Kevko, là? Il nous faut de nouveau plus de points de vie. Il y a de nouveau un laser rouge qui va clairement nous tuer. N'y va pas cette fois. N'y va pas. Ok, t'inquiète même pas, j'y vais pas. Il faut trouver des splashs ou des soins. Où est-ce qu'on peut trouver ça, mec? J'avoue que normalement c'est quand même assez gros. Ça me paraît bizarre qu'on les a pas vus directement. Regarde, j'ai trouvé un truc là. C'est bizarre. Ouais, ce truc. Wow. Ok, let's go, là, du shield. Ah, ça c'est un méga splash. Bam. Ok. Oh, ça fait super mal celui-là, j'ai plus que 25 points de vie. Effectivement, ça picote de fou, mais bon, c'est pas grave. On a réussi à s'échapper de cette cellule pour retourner dans une autre cellule. Mais je vais péter un cap, frérot. Il y en a combien dans cette prison, en fait? J'avoue que là, c'est vraiment interminable. Il y a un bouton ici, next level. Ouais, je doute que tu trouves un prison comme as, frère. Hop là, let's go, bien joué, Kevko. Franchement, t'es plus fort que moi, j'ai jamais l'impression. Là, c'est une dinguerie. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai peur aussi, hein. Il faut qu'on s'échappe vraiment de cette prison le plus vite possible. Là, c'est sûr, c'est à travers... C'est bon, j'ai trouvé. Un panneau. Let's go. À travers une vitre. Oh, mec, bonne nouvelle. Okay. Oh là là, enfin, on n'a plus de cellules, mec. Regarde-moi ça. On est carrément dans les catacombes de la prison. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Là, je suis vraiment content parce que j'en avais clairement marre de ces cellules. Après, je suis pas très fort en jump. Fasse attention et surtout, regarde le liquide vert en dessous. Ah ouais, ça s'appelle du mucus. Je te déconseille fortement de tomber dans le mucus, hein, Kevko.
Ouais, je vais faire très attention, il y a de l'eau qui sort. Je pense pas on peut s'échapper par ici. Honnêtement, je prendrais pas le risque. Attends, voyons voir. Ah, je sais pas. Attends, j'essaye. Wesh, t'es un malade. Wesh. Attends, tu fais quoi, gros? Retourne sur le pavé, là. What? Mais t'es un malade de faire des trucs ainsi, là. Attends, regarde ce qu'il nous faut. Il nous faut du scotch et... Wow, on peut même pas ouvrir. Okay, le scotch est juste là. Ouais, le scotch est juste là. Où est-ce qu'on va trouver cette clé? Oh, à mon avis, c'est derrière. Eh, frérot, moi, je vois pas la clé. Hein. Je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être. Franchement, là, je vais péter un câble, gros. Ça fait longtemps que je la cherche et je la trouve pas. T'es sûr que t'as bien vérifié, là, dans le tuyau? Bah, j'ai pas vraiment... Oh, non. Tu vas mourir. C'est bon, j'ai trouvé la clé. J'ai trouvé la clé. Oh là 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 là. Mais t'es pas mort. Eh ouais, je suis pas mort. Je suis trop fort, Kefko, tout simplement. Regarde ça. Hop là. Salto et c'est parti, frérot. J'avoue que là, pour cette étape, t'as plutôt géré. Moi, j'avais absolument rien vu. Ok, il nous faut des briques. Ok, où est-ce qu'on va trouver des briques, frérot? Je pensais que, regarde, il y avait un mur en briques ici. Je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit espace là. Il y a un petit espace là qui me semble très très bizarre, effectivement. Mais ça n'a pas l'air d'être ça. Mais me dis pas qu'on va rester bloqué, genre cette cellule, frérot. Je vais péter un câble. J'ai trouvé ici, Kefko. Oh, c'est une dinguerie. Oh, t'as vu ça, frère? Waouh. Oh non, mais ça. Oh ouais, non, mais c'est impossible. Ça devient de plus en plus complexe. Là, je suis en train de me poser une question. Est-ce qu'on va réussir vraiment à sortir de cette prison, oui ou non? Là, je m'inquiète fortement, Kefko. Hein. J'avoue, mais je pense que plus ça devient difficile, plus on se rapproche de la fin. Et là, c'est quoi ce bordel dans une prison, les gars? Ils ont des missiles nucléaires, là. Oh non, c'est la salle de torture. Oh là là, c'est la pire salle possible. Moi, j'ai pas envie de rester ici, moi, je te le dis, hein. Le mec, t'es pas du tout rassurant comme coéquipier. J'avoue que, par contre, là, les petits lits comme ça, ça inspire vraiment pas confiance. Et c'est quoi cette lampe, là? C'est trop bizarre. J'ai trouvé ici un bouton, Kefko. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça va ouvrir. Oh, ça m'a téléporté. Oh! Oh! On est enfin dehors, genre. C'est pas terminé, Kefko. Il faut qu'on arrive à trouver la carte de Mio Uskli juste là. Oh là, où est-ce qu'elle bien-être. Avoue qu'on est toujours chez la police, mais regarde, il y a un hélicoptère là-haut. Tu crois on peut aller dessus? Mec, il faut absolument qu'on rentre dans l'hélicoptère d'une manière ou d'une autre pour pouvoir s'en aller d'ici. Hein. J'ai pas l'impression que c'est possible par là. Ici, j'ai trouvé la carte. J'ai trouvé la carte. Ok, vas-y, ouvre, ouvre, ouvre. Oh là là, on va pas s'enfuir en hélicoptère. Jean-Philippe, c'est trop stylé. Oh là là, frérot, là, on est carrément dans le commissariat. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Heureusement, il n'y a pas de garde. Mais maintenant, comment? Oh, là-haut, là-haut. Attends, regarde, je peux investiguer sur les ordinateurs. Oh, ok, d'accord, regarde. Il faut investiguer. Attends, moi je me suis enfui par le haut. Je crois que tu fais n'importe quoi, Jean-Fils. Il faut monter en haut. Ah ouais? Attends, comment? À mon avis, ça sert à rien ce que t'es en train de faire. Monte sur l'ordinateur et il y a plein de boutons ici. Ah ouais, bien vu. What? Ah ouais, d'accord. Maintenant, faut trouver le bon bouton, je t'avoue que... Faut faire vite, là, parce qu'il y a les gardes qui nous cherchent, mec. Hein. Vite, vite. Et surtout, il y a l'hélicoptère, il va bientôt décoller. Oh non, 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 les gars, non, il faut absolument pas que ça se passe comme ça, là. Ça me stresse trop, cette histoire. Non, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Oh, pourquoi il y a une caisse bizarre? Oh. Et moi, je crois que je les ai tous essayés. Hein. Gros, ici, va dans la caisse. Bah attends, mais c'est une dinguerie. Mais c'est un piège. Mais ok, c'est bon. Ok, on est sur le toit, vite, vite, vite. Vas-y, faut monter, faut monter, faut monter. Oh là, c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Vite, 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 Kefko. J'avoue que ça, évasion en hélicoptère, on l'a jamais fait. Ok, c'est bon, j'y suis. Attends, j'arrive pas à rentrer, je suis sur le toit. Rentre, rentre, rentre. Ok. C'est moi, je suis à l'intérieur. Je peux interagir. Gros, what? Non. On est où là? Gros. Non, c'est notre hélicoptère, ça. Mec, on a réussi à s'échapper de la prison. On a pris un hélicoptère. On vient de le cracher, mais je vais péter un cap, Kefko. Oh, mais je crois qu'on va jamais réussir à s'échapper. C'est dingue, mec. On se retrouve bloqué au Mont Everest. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On va sûrement rencontrer un obstacle, je pense. Il y a plein de montagnes, mais surtout, il y a des cadavres de dinosaures, on dirait. Ah ouais? Je pense que là, vraiment, plein de gens étaient bloqués à vie à cet endroit. Attends, mais j'avoue que c'est horrible. Il y a des immenses dinosaures juste là. Oh, Kefko, j'ai trouvé quelque chose ici dans l'hélicoptère. Attends, c'est quoi? Un transform accessoire? What? Mais quoi? Oh oui! C'est sûr, on a besoin de ça. Tu l'as trouvé où? À l'intérieur? Ah ouais! Ah ouais, il faut que j'arrive à trouver quelque chose pour passer dans la grotte juste ici. Vas-y, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Oh, ici, il y a un onos. Attends, on va voir si avec l'os, ça passe ou pas. Oh, oh c'était serré. C'est bon, on est passé. Let's go! Mec, il y a la police qui a notre trousse. Je te rappelle, donc là, il faut absolument qu'on arrive à sortir d'ici pour qu'on arrive à avoir notre liberté, d'accord? Ok, il faut qu'on arrive à trouver un petit os. D'accord que la police, c'est un problème, mais est-ce que t'as vu
la taille des cadavres dans cette grotte. À tout moment, il y a un monstre. Ah ouais, j'avoue, ça fait grave flipper. Il y a un os juste ici. Trouve un os, vite, vite, Kefko, là. Parce que moi, j'ai l'impression que je fais tout le travail, là, en ce moment, j'ai l'impression, là. Wow, mais non, n'importe quoi, c'est bon, j'ai trouvé l'os, voilà. Jure, t'as trouvé? Ah, les dingueries, frérot. Eh ouais, qu'est-ce qu'il raconte, mon gars? C'est moi, je fais tout le boulot ici. Essaye pas de t'échapper sans moi, quand même, Jean-Fils. Non, pas du tout. Par contre, c'est quoi, ça, cette porte? Il nous faut de la brique. Alors, on est carrément coincé dans une grotte, ça, on l'a jamais fait. Trouvez, regarde. Let's go. Ok, t'as trouvé quelque chose? Ouais, ici. Oh ouais, mais c'est ultra bien caché. Et t'as vraiment l'œil aujourd'hui, hein. T'inquiète, je suis un professionnel de l'échappation challenge. Qu'est-ce que c'est que cette zone là? Ça me fait flipper, mec. Bon, t'en peux passer ou pas? Vas-y, ça fait quoi? Je suis passé à travers moi. Ça fait quoi? Bah, pour l'instant, rien. Ok. Ah, il faut une pomme. Oh, d'accord. Ça, il faut une pomme. Une pomme rouge. Donc, il faut trouver. Là, la pomme. Vas-y. Hop là. Mais elle sert à quoi cette zone verte là? C'est vraiment trop bizarre. Ah, ça m'a retiré la pomme. D'accord, vas-y Kefko, je t'envoie la pomme. Va de l'autre côté. Vas-y, tire-la moi dessus. Hop là, vas-y, récupère. Wesh. Ok. Il envoie en pleine tranche là. Ça fonctionne. Let's ouais, go. Nickel. Voilà, ça c'est fait. Oh, c'est plus à faire. Mais c'est quoi cette palace? Un passage secret de fou ici, gros. Oh, j'avoue que là on est très très bien. Il nous faut une noisette et du métal. Mec, je sais pas, ça fait penser à quoi, mais ça me fait carrément penser à un bunker Minecraft, mec. Hein, c'est une dinguerie. Hein. C'est vrai que les blocs ils sont assez spéciaux. Mais bon, on n'est pas là pour ça, Jean-Fils. Nous, on veut s'échapper avec le butin. Ok, il faut trouver une noisette et du métal. J'ai trouvé la noisette. Ah ouais. Mec, regarde, regarde la table de bière. Ah ouais. Ramasser le gland, c'était pas une noisette, c'est un gland, Kefko. Ah frérot, on va pas refaire le débat. Pour moi, ça reste une noisette et ça va très bien comme ça. Ok, et là il nous faut du métal. Où est-ce qu'on va trouver du métal, les gars? Je pense peut-être. Oh, peut-être le mur en soi ici. C'est bon, j'ai trouvé, c'est ici le métal. Frérot, mais attends, mais j'ai l'impression que les épreuves deviennent de plus en plus complexes. C'est franchement une dinguerie phénoménale. Hein. Oh oui. Eh ouais, t'as bien fait de dire ça. Wesh. Attends, c'est une dinguerie. Attends, c'est moi où je vois des tuyaux de couleurs différentes là? Voilà, ça c'est chaud là. Ouais, moi je vois surtout de la lave en dessous. Voilà. Ok. Je pense que les tuyaux rouges, moi ils m'inspirent pas confiance, je vais même pas dessus. Ok. Voilà. C'était The Floor is Lava Challenge, hein, moi je te le dis. Oh, il y a un trône ici. Oh, je peux carrément m'asseoir. Bam, dingue. Ouais. Hey, t'as trop le style en vrai, hein. Hey, t'inquiète, moi j'ai le style, mon ref. T'as vu, on a récupéré une carte. Ouais, moi aussi j'ai le style ou pas en tant que roi pigeon. Non, t'es vraiment moche et ton skin restera moche jusqu'à la fin des temps, mec. Hein. Mais qu'est-ce que tu racontes avec ta vieille casquette rouge là? Mais bon, y a vraiment que les pigeons pour acheter ce skin de pigeon, hein. Franchement, c'est abusé, hein. Bah ouais, moi je trouve il me correspond bien. Bon, il nous manque quoi à part la petite carte? Il nous faut le clé. Ouais, et j'arrive pas à trouver cette foutue clé, mec, hein. Ah ouais, bah le pigeon, je pense qu'il va la trouver, la clé, parce que regarde, il y a un deuxième étage. Ah ouais? Ah ouais, bien vu, j'avais pas vu, frère. Attends, mais c'est une dinguerie. Certes, ton skin est très moche, par contre, avec tes gros yeux globuleux, tu sais voir pas mal de choses, hein. Je vois à droite et à gauche en même temps, 180 degrés. Ça, c'est nickel. C'est bon, regarde, j'ai trouvé la clé juste ici. Je reste quand même le meilleur parmi toi et moi, hein. C'est une dinguerie. Ouais, allez, allez, là, faut dire dans les commentaires, team Jean-Fils ou team Kefko. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire team pigeon. Non, non, team Jean-Fils, c'est pas du tout team pigeon. Voilà, il nous faut du charbon. On devrait le voir direct, ce gros bloc noir là, non? À mon avis, le charbon, il est pas dans les soupes, mais sûrement ici dans le feu. Voyons voir s'il y a pas moyen d'avoir du. Oh! Mais si, c'est bon, j'ai eu le charbon. J'ai cherché dans les soupes. J'ai eu le charbon. Bon, t'as trouvé? Dans le feu, il était dans le feu. Allez, parfait. Voilà, ça c'est magnifique. Mais attends, on est où là? Est-ce qu'on est encore dans une prison, dans une grotte? Moi je comprends vraiment plus rien. Mec, on est carrément dans les endroits non accessibles aux prisonniers, hein, mec. Hein. Ouais, j'arrive pas à trouver comment m'échapper. Ah, t'es là, Jean-Fils? Oui. Bah ouais, je te suivais, hein, mec. Hein, qu'est-ce qu'il y a, mec? Ah ouais. T'inquiète, j'avais vu que tu me suivais. Il nous faut un pistolet transforme accessoire, encore une fois, Jean-Fils. Où est-ce qu'on va trouver ça, frérot? J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus petits à chaque fois, mec. Hein. Bah moi, je trouve surtout que c'est le plus dur escape game qu'on a jamais fait. J'espère que quand on va pouvoir s'échapper, on aura vraiment un immense trésor. Ah ouais, j'espère avoir une bonne récompense parce que je suis d'accord avec toi. C'est le pire escape room qu'on a fait de toute ma vie. Hein. En vrai, il est bien, mais il est long et compliqué. Oh, il est juste là, Jean-Fils, regarde. Ah ouais, bien joué. Eh, franchement, heureusement que j'étais toi et tes yeux globuleux, mec, parce que sinon, on n'aurait jamais trouvé. Hein. Allez, c'est parti. On va passer dans le petit trou et on passe au niveau suivant. Là, franchement, en fait, j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout dans les cellules, mais on est dans les locaux des gardiens.
parisien, frérot. Regarde-moi ce luxe qu'ils ont. Elle ressemble pas du tout à notre cantine, cette cantine, hein. Ouais, c'est vrai, mais dis-toi, on s'est quand même échappé avec un hélicoptère. On s'est crashé dans une montagne. Et là, on est dans une sorte de bunker de luxe. C'est vraiment trop bizarre l'ambiance. Mec, regarde ça. On peut te passer à travers les murs maintenant. Mais c'est une dinguerie. Je vais péter mon crâne. Ok, là, il nous faut 20 de métal, mec. Allez, c'est parti pour trouver ça. Ouais, à mon avis, c'était ici aussi. Mais ouais, s'ils ont des murs invisibles, ça va un petit peu compliquer la tâche d'évasion. Ah ouais, franchement, là, ça devient très complexe, les amis. C'est la porte qui donne du métal? Oh là là, les gars. Ah ouais. Mec, trop bien. Ça fait je sais pas combien de minutes qu'on est en train de chercher la solution. Elle était juste en face de nos îles, mec. C'est abusé. Je pense que ça fait vraiment plus d'une heure, honnêtement, qu'on est sur la map. J'en suis en train de galérer comme pas possible. Moi, je transpire comme un bœuf. Je te dis pas la souffrance que j'ai actuellement, mec. Ok, il nous faut un os, mec. Où est-ce qu'on va trouver ça? Oh, regarde, il y a un trou de souris, donc ça veut dire qu'il faut trouver un transform accessoire. Moi, j'ai surtout trop hâte de m'échapper et de voir la surprise qui nous réserve à la fin de la map. Eh hey mec, j'espère que le gros lot sera présent. J'espère qu'on va gagner un maximum de V-Bucks. C'est ce que j'adore. Ah, j'avoue que s'il y a des V-Bucks à la clé, ça me ferait vraiment plaisir. Faire un truc dans les lampes. Je sais pas où est le transform accessoire. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un burger. Ici dans lequel on va pas se transformer. Je l'avais pas vu, mais bon endroit. Il est en dessous de l'escalier, mais il est de plus en plus petit, le transform accessoire. Ok, il y a un burger, je vais pouvoir me transformer en burger et passer dans le petit trou de challenge. Hop là, niveau réussi. On passe dans le petit trou et on est de nouveau dans une cellule. Jean-Fils, on a fait tout ça pour rien. Non, bon. Non, franchement, je vais péter un câble. La vie de ma mère, je vais péter un câble. Je viens de m'en rendre compte. Mec, je vais câbler, je vais casser mon écran à un moment donné. Kefko, maîtrise-moi là, parce que ça m'énerve là. Je peux rien dire, je suis énervé aussi. Oh non, mais franchement. Vraiment au début. Imagine, là, on doit tout recommencer parce qu'on a pris le mauvais chemin. Ah non, les gars, j'ai juré, c'est la pire map Fortnite de toute ma vie. Je vais pleurer. C'est quoi ça? Le créateur de la map, il se fout de qui, là? On a réussi à s'échapper d'une prison et là, on se retrouve encore dans une prison. Et je vais péter mon crâne. Ça va aller, ça va aller. Mec, on va réussir. T'inquiète pas, Jean-Fils, il faut garder espoir. Là, je trouve absolument rien, moi. Ouais, c'est une dinguerie. Oh, t'as vu comment j'ai réussi à passer par ici? Ok, là, il faut que je récupère l'or. Il faut trouver de la poudre à canon, Kefko. Vas-y, je te laisse pour ça. Poudre à canon, moi, je t'avoue que j'ai déjà fait le tour de toutes les cellules. J'ai rien trouvé. Oh là là, mais t'es vraiment un bras cassé, en fait, Kefko. Tu sers à rien, tout simplement. Mais pas du tout. C'est juste que là, j'avoue que j'ai un petit peu de peine sur ce niveau. Mais ouais. Je vais trouver, vas-y, je vais trouver le charbon. Oh, il est juste là. Allez, dans le lavabo. Ah ouais, bien joué. Enfin, on a de quoi s'échapper de cette foutue cellule qui me rend fou et qui me rend malade depuis je sais pas combien de temps, les gars. Et nous voici encore dans une nouvelle cantine. Non, mais je vais péter mon crâne, frère. Bon, ça va, une petite cantine, elle est bien meublée, ça a l'air beau. Oh, en tout cas, la porte, on peut pas l'ouvrir. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé. C'était à l'entrée ici. C'est vraiment un bac à la celui oh qui a installé là, ça. Eh, ça vraiment, c'est les pires niveaux parce qu'on pourrait rester bloqué pendant des heures si on n'aurait pas remarqué ça. Ouais, franchement, heureusement que je suis là pour nous sauver hein, là parce que. Ouais, allez, c'est bon. Hein. Te jette pas trop des fleurs non plus, frérot. Allez. Il prend trop la confiance là. Alors prouve-nous que tu sais gérer alors, frérot. Voilà. Vas-y, vas-y, je vais te montrer ça directement. Voilà, je t'ai montré. Ah ouais, ouais, tu m'as montré, ouais. Ah ouais, j'ai capté. Vas-y, ce niveau, ne bouge pas, je maîtrise la situation. Ok, montre-nous que tu maîtrises la situation, j'attends Kefko, parce que là, ok, il nous faut une carte et un gland, et pas une noisette Kefko, d'accord? Un gland, ouvre bien tes yeux. Les yeux sont grands ouverts là. Ok, j'ai trouvé le petit gland qui était juste ici par terre, maintenant il me manque plus que la carte. Bien joué, t'as trouvé le gland, la carte, est-ce que tu vas réussir à la trouver frérot ou alors ça va être moi? Que le plus rapide gagne. C'est bon, le plus rapide c'était moi. Non, let's go. Et tu restes derrière Kefko. Mais tu m'as même pas attendu, en plus tu l'as trouvé où cette carte? Mec, elle était juste en face de la elle porte. Elle était juste là, mais ouais, c'est abusé. Encore une fois, j'ai prouvé à tout le monde que c'était moi le plus fort. C'est bon, j'ai encore trouvé la prochaine. Et les gars, là on a bientôt terminé. Ok, là il me faut quelque chose à jeter sur la cible. Franchement, il prend trop la grosse tête Jean-Fils, donc tu sais quoi, à partir de maintenant, c'est la course. Le premier qui s'échappe, et ben il a gagné et il remporte tout le butin. Attends, t'es sûr de toi, Kefko, là? Regarde-moi. T'as trouvé un pistolet? Ouais, t'as mal si me tirer dessus. Ouais, effectivement, je suis un malade. Mais c'est moi qui passe au niveau suivant. T'as voulu faire la course avec moi, Kefko? Moi, je perds patience. C'est moi qui vais remporter la victoire. C'est parti, les gars. Allez, vite, il faut que j'arrive à sortir de cette cellule le plus rapidement possible. Coucou, Jean-Pierre. Oh non, il est déjà là. Mais je vais péter mon crâne, frère. Comment il fait? Oh, let's go. Je suis passé au niveau suivant, Jean-Pierre. Ok, c'est bon. Je suis avec toi. Oh, t'as trouvé aussi. C'est pas possible. Il nous faut deux piles différentes. Oh là 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 là. Celui qui a les deux piles
remporte la victoire, Kefko. Hein. Ah ouais, tu penses que là, on va s'échapper de la prison? Ah, je sens l'air frais, là. Avec mes narines, je sens qu'on est proche de la sortie, mec, hein, là. Ok, ok. Pour l'instant, je t'avoue que je trouve absolument rien. Je sais pas si t'as trouvé une batterie, toi. Je suis sûr que t'en as trouvé une, mec. T'es un mythomane, je te connais, avec ton air, là. Non, pour l'instant, j'ai rien trouvé. Oh, je t'ai vu trouver quelque chose. J'ai vu trouver quelque chose, gros. C'est bon, j'ai récupéré. Allez, oh là là, vraiment, j'ai senti que t'avais cramé. Elle est où, la deuxième batterie? Hein? Elle est où, la deuxième batterie? Attends, t'as trouvé? Non! C'est triche! Oh, c'est un gros tricheur! Ouais, c'est t'as bon. Pas le droit de passer au même temps que moi! C'est ouais, une dinguerie, ouais, ça! Ouais, j'ai triché, effectivement. Ok, là, il nous faut du métal. Où est-ce qu'on va trouver ce foutu métal, frère? Là, je veux même plus m'enfuir, je veux juste gagner contre toi, mec. Là, il y a mon esprit de compétition qui s'est activé. Wesh! Wesh! Alors, mon fils, t'es en train de trouver la sortie ou pas? Comment t'as fait? Wesh, comment t'as été là? Non, c'est une dinguerie. Allez! Oh! Je sors d'ici! Et je m'enfuis de la prison! J'ai gagné! C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé. Tu peux cliquer juste ici pour avoir une autre juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Mais pour la part des amis, on se dit à la prochaine. Tchuss!